Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le Scout Talk numéro 2. Donc moi je m'appelle Elisa, ce sera moi qui vais animer ce Scout Talk. Très contente de pouvoir faire ce format en live sur YouTube. Petit récapitulatif pour parler du format. Donc le Scout Talk, c'est une heure de discussion entre un chef ou une cheftaine SGDF avec des chefs et cheftaines étrangers qui viennent du monde entier. Et le but étant de discuter pendant une heure autour de thématiques très concrètes qui sont vécues dans nos vies d'animateurs et animatrices de scoutisme. Donc voilà, pour partager nos pratiques, nos expériences. Et donc ce soir, le thème sera la nature dans nos activités. Comment on arrive à mêler sa dimension de nature au sein des Scouts de France, dans nos activités des Scouts de France, mais aussi comment ça se passe dans d'autres associations autour du monde. Et donc, pour cette édition, j'ai le plaisir de vous présenter nos invités, nos participants, donc Étienne et Thibaut, hop, qui sont là. C'est bon, normalement on vous entend. Super. Donc voilà, merci d'être avec nous ce soir. Donc Thibaut vient des Scouts de France et Étienne vient des Scouts du Liban. C'est bien ça? Bon, normalement, il n'y a pas de piège. Du coup, j'avais préparé un petit jeu pour commencer. Je pense que ça peut aussi inclure la présentation, vos deux présentations. Ce petit jeu, c'est tout simplement du dessin, à voir si vous avez des grands talents ou non. Est-ce qu'en 30 secondes, on verra, ça pimente. Est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez nous faire un petit dessin pour vous présenter, vous, dans votre association, votre rôle, tout ça, un maximum? Je vais prendre un petit timer. Hop. Ouais, c'est parti. Et en attendant, je peux faire ma propre présentation. Je suis chargée de mission au département international des Scouts et Guides de France, donc, qui est à l'initiative de ce nouveau format qui sont les Scouts Talk. Voilà. Cinq secondes. 3, 2, 1. Levez vos stylos. Est-ce que c'est bon? Yes. Bah Étienne, alors je pense qu'on a un petit peu du côté de Thibaut, mais du coup si tu veux commencer, tu peux nous montrer ton dessin et expliciter. Ouais, vas-y. Alors. Ok, ça marche. Ouais, carrément. Complètement. Ouais. Ouais, c'est bon. Alors je pense qu'on n'a pas le son de ta vidéo, mais si tu veux commenter en même temps. Donc c'est
toutes les activités que tu fais souvent dans ton association, c'est ça, Étienne? Yes, bah merci beaucoup pour cette présentation. Alors je pense qu'il y a eu des petits soucis audio. Je pense que c'est la bande passante avec la vidéo qui ont. Oui, Thibault, on t'entend. Oui. Étienne, est-ce que tu nous entends? C'est bon? Super. Merci pour la vidéo, Étienne. Du coup, c'est des activités que vous faites souvent dans ton association, c'est ça? Ok, ça marche. Du coup, est-ce que Thibaut, de ton côté, tu peux nous montrer ton dessin? Ok, alors 2 petites secondes, Thibaut, je vais devoir faire une petite pause. On va faire une toute petite pause. On me signale qu'on ne vous entend pas. Donc je vais juste mettre un petit écran de pause. Je reviens dans 2 minutes. Oui, allô, allô. Ok, allez. Ouais. C'est bon, on est de retour. Hop. Alors, Très pardon. bien. Vas-y, Thibaut, Après on t'entend. ma... Donc, du coup, moi, ce que je disais, c'est que cette année, je suis. Puis directeur d'unité de ma caravane. Donc, une caravane, ça regroupe des jeunes garçons et filles de 14 à 17 ans. Et donc, du coup, moi, je m'occupe un petit peu de gérer tout ça, que ce soit les jeunes, mais aussi les chefs qui m'entourent. J'ai des chefs super qui sont là, s'ils m'écoutent, encore une fois, des gros bisous à eux. Et donc, du coup, là, cette année, on est 5 à 6 chefs pour une vingtaine de jeunes. Donc, on est une belle unité.
Et nous, notre programme, c'est que chaque année, on puisse faire des projets au service de personnes, vu qu'on est avec des 14-17 ans qui ont beaucoup plus de maturité que des, par exemple, des 8-11 ou des 11-14. Ça va nous permettre de faire des projets beaucoup plus concrets qui permettent d'inclure le scoutisme avec une action sociale. Et donc, pour donner un exemple, l'année dernière, on a aidé un petit village à créer des sentiers de randonnée qui étaient inexploitables avant parce qu'il y avait de la mauvaise herbe, il y avait trop de... oui, voilà, de la mauvaise herbe, ou juste, c'était pas encore des sentiers. Et bon, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, chaque année, pour le camp, on essaie de proposer des vrais services sociaux tout en gardant, bien sûr, un esprit scout avec dormir en tente, le feu de bois et puis plein de jeux. Voilà. Ok, très bien, mais merci beaucoup. Bon, mais super pour la présentation. Du coup, maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de dessiner, du coup, l'élément naturel qui représente le plus votre région et que vous rencontrez le plus dans vos activités scouts. Pareil, en 30 secondes, avec un petit timer. Hop, c'est parti. Ah, déjà fini, Étienne. Ok. On va dire que j'ai fini aussi. Super. Qui veut commencer? Thibaut. Ok, bon. Okay. Encore une fois, ne me confondez pas avec Picasso, s'il vous plaît, ou avec Monet. Donc, c'est ici. Donc, l'élément... donc, moi, pour la petite histoire personnelle, je viens de Paris. Donc du coup, la nature, c'est pas ce qui nous entoure le plus, à part les parcs. Et donc du coup, dans les parcs, il y a majoritairement des forêts. Donc j'appelle ça des mini-forêts. Et donc du coup, on essaye au maximum d'y aller pour un peu avoir un contact avec la nature, même en étant dans une aussi grosse ville que Paris. Et donc du coup, et bien sûr en camp, camper dans une forêt avec un petit feu de bois que j'ai mis juste ici. Le truc vert, c'est super important parce que ça permet vraiment de nous rapprocher avec la nature. Et voilà. Et après, le deuxième élément, c'est quand même un peu de fleurs et un peu de gazon, parce que c'est super agréable quand on veut faire une sieste de s'asseoir sur un peu de gazon. Et donc, du coup, voilà. Ok, carrément. Et toi, Étienne, de ton côté? Allez, vous m'entendez maintenant? Vas-y. Ouais. Ok. Donc, les deux éléments les plus importants, je veux dire, ici au Liban, sont donc les forêts du cèdre, donc d'où vient le cèdre dans notre drapeau. Donc, on a des forêts de cèdre dans des réserves naturelles. Ok, ce sont des arbres qui ne jaunissent pas durant l'automne ou l'hiver. Donc, c'est un symbole national ici. Donc, et puis ici, la majorité de nos activités se passent dans des forêts de pins. Donc, c'est un parasol ici, avec un peu du rocher, des rochers, du feu ici. Donc, c'est le cadre le plus récurrent où on fait nos activités par ailleurs ici au Liban. Et c'est ça comme élément naturel les plus importants. Et puis, on a la mer aussi. Il y a des unités qui sont proches de la mer, donc ils font des activités dans la mer. Ok. Je ne sais pas pourquoi je me doutais qu'il y allait avoir une question de cèdre sur ta réponse, Étienne, étant donné que c'est sur votre drapeau national. Moi, je n'ai pas dessiné, mais je pense que j'aurais représenté une feuille de vigne, parce que je suis dans le Bordelais, donc il y a... Ça va dans les vignes, tout ça, et c'est là où on campe aussi. J'ai aussi la casquette de cheftaine de mon côté, aussi les 14-17, comme Thibaut. Ok, dernier petit dessin, okay. Mais cette fois on va corser les choses, je vous demande d'utiliser la main que vous n'utilisez pas. J'espère que vous n'êtes pas ambidextre. Destre, oui. Ah voilà. Pour dessiner... Je ne suis même pas ambidextre. Ce qui, selon vous, représente le plus dans votre association,
l'un des 8 piliers de la méthode Scout, qui est la vie dans la nature, tout simplement. Qu'est-ce qui symbolise, le meilleur symbole de ce pilier dans votre association. Voilà. Toujours en 30 secondes. Et avec la mauvaise main. Avec la mauvaise main. Ouais. Ok. Pas la mauvaise main. Ça va être merveilleux. Hein. Secondes. L'attention est à son comble. Cinq, quatre, trois, deux, un, c'est terminé. Yes, merci. Toujours. Ok, qui veut commencer? Est-ce que je fais une plouf ou vous décidez comme vous voulez? Bon, bah, Étienne, commence. Allez, okay. Comme ça. Ok. Donc, évidemment, ça se montre. OK. Donc, évidemment, dans le pilier nature, c'est le camp. Donc, la plus importante qu'on fait dans la nature, c'est le camp où on fait les installations des unités pour les troupes, principalement les réunions, les chants autour du feu, les réunions autour du feu, les veillées et tout ça. Et puis la tente pour représenter le camp et le regroupement et tout ça des unités. Donc, pour moi, c'est l'élément le plus important qu'on fait dans la nature, à côté des jeux et tout ça. Et quand tu parles de camp, est-ce que vous avez un camp que à la fin de l'année? Enfin, je veux dire... C'est quand vos camps, justement? Est-ce que vous faites d'autres activités dans l'année, des choses comme ça? Ok, oui. Donc, avant Covid, la norme était qu'on a 3 camps durant l'année. Le camp autour de Noël, le camp de Noël, puis le camp de Pâques, et puis le camp d'été pour les unités. Et puis, entre ces camps, il y aurait un camp de formation pour les... Je parle maintenant dans les troupes. Il y aura un camp pour les hautes patrouilles, pour la formation et la cohésion des hautes patrouilles. Et puis, un autre camp, si c'est nécessaire, pour aussi faire un petit regroupement de la troupe ou des patrouilles, un camp de patrouilles, à l'entour du printemps et de l'été. Donc, 3 comme base avant, et puis les autres camps selon la nécessité et le besoin de chaque unité, de chaque groupe et troupe. D'accord, bah, c'est super intéressant. C'est quoi la différence pour toi? Ouais, c'est super intéressant parce que nous, ça nous arrive aussi de faire des week-ends. Mais est-ce que quand toi tu parles de camp, c'est plus des week-ends? Parce que nous aussi, on a quand j'étais jeune, on a des week-ends de patrouille par exemple. Et mais c'est des week-ends, tu vois. Est-ce que vous, c'est des semaines entières ou pareil, c'est quelques jours Généralement, pour le camp de Noël, c'est 2 nuits. Pour le camp de Pâques, c'est 2 ou 3 nuits. Le camp d'été, aux alentours d'une semaine dans la forêt. Mais pour les autres camps, les camps de haute patrouille et les camps de patrouille, ce sont, oui, généralement des week-ends ou 2 nuits max. D'accord. Et du coup, quand tu dis que le camp d'été, c'est une semaine, est-ce que ça varie en fonction de l'âge des jeunes ou c'est une semaine pour tout le monde en moyenne? Non, 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 c'est en fonction de l'âge. Ça dépend aussi des troupes et des groupes. Ça dépend de la grandeur, si je veux dire, de l'unité. Donc, ça peut aller de 3, 4, 5 jours jusqu'à 7, 8 jours. Ça dépend du programme et tout ça. Donc, D'accord, ok. Et quand tu parles de troupes et de patrouilles, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qui est dans la troupe, qui est dans la patrouille? Et justement, bah, on avait l'occasion juste avant ce live de discuter des tranches d'âge dans ton association. Est-ce que tu peux développer un peu? Exact. Merci. Exact. Donc, pour les tranches d'âge dans le Scout du Liban, on a 3 tranches d'âge, la tranche des louveteaux, et puis la tranche des éclaireurs,
aux éclaireuses, pour les louveteaux, les louveteaux et les louvettes, pour les éclaireurs et les éclaireuses, c'est entre 12 et 17, et pour les louvettes et les louveteaux, entre 7 et 11, et puis pour les routiers et les pionnières, entre 18 et 23, 24, ça dépend du parcours qu'ils font. Pour les troupes, donc une troupe regroupe plusieurs patrouilles, allant de 3 jusqu'à peut-être 5 ou 6, 6 patrouilles, de 6 à 7 ou 8 scouts. Il y a un chef qui guide ou un chef avec des assistants qui guident la troupe. Et pour chaque patrouille, il y a un chef de patrouille et un second de patrouille qui sont responsables de cette patrouille. Et puis, pour les patrouilleurs, comme on dit, il y a chaque patrouilleur a son rôle ou sa mission dans la patrouille. Peut-être il est un photographe, peut-être un secrétaire, un cuisinier, un intendant, un secouriste, un photographe. Donc ça dépend. Chacun dans la patrouille a son rôle spécifique qu'il travaille pour quelque temps et puis on change de rôle durant l'année. Ok, super C'est intéressant. marrant parce que nous, on n'a pas. Enfin, ouais, c'est surtout de ce que je comprends chez les scouts et éclaireurs et éclaireuses. Nous aussi, quand on est scout et guide, donc c'est la tranche d'âge 11-14, on a vachement cette image aussi, bon, avec d'autres noms, parce que, mais avant même, je me souviens quand j'étais plus jeune, on utilisait les termes troupe et patrouille. Et du coup, dans ta patrouille, on dit ça équipe, nous, équipage, pardon, on a pareil des rôles très attitrés. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la nourriture, il y a quelqu'un qui s'occupe des parties spirituelles. Il y a un architecte, il y a un artiste, etc. Et même en ayant un rôle, on peut s'occuper de choses plus personnelles avec Exact. des autres écussons qu'on appelle des labels. Et c'est des projets très spécifiques que tu peux faire. Comme tu parlais de photographie, bah, il y a un label photographe, par exemple, qui s'occupe de prendre les photos du camp, ou il y en a un qui va s'occuper de se renseigner sur la culture de la région dans laquelle on va, etc. Et donc c'est très similaire à ce qu'on fait, sauf que nous, au lieu que ce soit 11-17, c'est que de 11 à 14 et après 14 à 17, on perd vachement ce rôle pour chacun et on est plus tous ensemble pour un même projet. Et justement, ces rôles dont tu parlais pour la patrouille, Étienne, est-ce que c'est des choses qui sont mises en place par la pédagogie de ton association ou est-ce que c'est au besoin dans la patrouille en fonction des savoir-faire, des talents des jeunes? Exact. Donc, selon la pédagogie, chaque personne a sa mission, doit avoir une mission ou un rôle pour qu'il travaille ses aptitudes et ses talents et tout ça. Donc, mais quand on revient dans la vision la plus restreinte dans la patrouille, au sein de la patrouille, donc le CP, peut-être il va voir un talent chez un des patrouilleurs, peut-être quelqu'un qui a la caméra tout le temps, ou quelqu'un qui aime faire de la cuisine ou qui a un petit talent dans la cuisine. Donc, on lui donne cette mission. Et puis, durant une année ou 6 mois ou 3 mois, ça dépend des projets. Quelqu'un peut prendre le rôle de cuisinier durant les camps, puis l'autre, le photographe durant les réunions. Ça. Donc, ça dépend. Dans la pédagogie, il y a la notion des rôles et tout ça. Et puis, en fonction des troupes et des patrouilles et des unités, on donne les missions. D'accord, et en Oui, fonction des besoins des projets, j'imagine aussi. exact. Et la taille des patrouilles et la taille des troupes. Donc, il y a des petites troupes, il y a des grandes troupes, il y a des grandes patrouilles, des petites patrouilles. Donc, ça dépend des effectifs aussi. Ok, ça marche. Je pense qu'on va pouvoir passer au dessin de Thibaut. Juste après ça, Étienne, est-ce que tu pourras juste nous refaire une petite présentation, ta présentation en fait, parce qu'il y a eu des problèmes sonores et en fait on t'a pas entendu. Donc avec ton dessin, je pense que la vidéo, bon, si tu arrives à trouver le son, ça peut être intéressant aussi. Mais du coup, juste après le dessin de Thibaut. Ok. Beau le passer un soir. Hâte de voir ça. Moi je l'ai fait en deux parties. Moi Comment ce que tu... je trouve vraiment le plus important chez Scouts et Guides de France, c'est la relation et la coexistence entre la nature et nous, parce que ça c'est un petit foulard, et ça c'est une petite fleur. Et donc du coup, nous dans la pédagogie qui est devenue vraiment un des piliers de l'éducation scout, c'est habiter autrement la planète.
Et c'est comment avoir un vrai respect de l'endroit dans lequel on va et dans lequel on habite pendant quelques jours ou quelques semaines, et comment le rendre au mieux meilleur ou au moins comme on l'a laissé. Il y a mes chefs qui me rabâchaient toujours cette phrase, et donc du coup je la rabâche encore à mes jeunes aujourd'hui, que Baden-Powell avait dit cette phrase, un scout laisse deux choses en partant, rien et des remerciements. Donc pour moi c'est super important voilà, d'avoir cette coexistence avec l'écosystème qui nous entoure. Et ensuite, ça va être un peu plus spécifique, mais c'est, alors il y a un soleil, une goutte d'eau et du vent, et en bas, il y a un petit salut scout, comme on a pu faire. Et en fait, moi, je trouve ça très important parce que ces dernières années, on a vu beaucoup de projets et beaucoup d'idées émerger pour comment utiliser les ressources naturelles qu'on a en illimité pour faire des... soit se subvenir à nos besoins, soit justement ne pas polluer ou ne pas gâcher du plastique ou que sais-je. Et donc voilà, c'est utiliser des petits outils pratiques et même voir un peu low-tech pour pouvoir améliorer les camps et sans pour autant que ça gâche notre expérience de scout. Ok, bah, carrément, je vois. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Habiter autrement la planète qu'on retrouve du coup dans le projet éducatif des Scouts d'Île-de-France. Enfin, ça me fait pas. Enfin, je sais pas pourquoi je fais ce lien-là, mais ça me fait penser à il y a eu récemment dans la campagne de communication en fait un sondage qui a été fait auprès des membres, des adhérents et adhérentes des Scouts d'Île-de-France pour savoir bah, depuis la période. Enfin, en cette période Covid. Pourquoi les parents des enfants inscrivent leurs enfants au Scout Île-de-France? Et en top 1, c'était justement ce lien à la nature bah, qu'on retrouve dans nos deux associations, de ce qu'on est en train justement de présenter. Mais du coup, on sent ce besoin justement de renouer avec la nature, de revoir, de pas rester enfermé, tout Oui, ça. oui, Donc, oui. ouais, c'est sûr. On valorise Et. plus la nature maintenant avec le Covid. Pardon? On valorise plus la nature maintenant. Donc, on cherche plus à être dans la nature C'est ça, après et le puis Covid. Donc. tous les enjeux climatiques qui deviennent de plus en plus présents, en tout cas dans les médias et dans les discussions, c'est sûr que c'est important, quoi. Bah du coup, est-ce que Étienne, tu peux refaire ta présentation, s'il te plaît? Désolée, ça fait. Et je voulais aussi noter que tu t'es très bien débrouillé pour les dessins. Moi, j'ai reconnu direct en tout cas. C'est gentil, j'ai un soutien. Ok, donc je recommence ma présentation du début. Ouais, s'il te plaît. Mon dessin. Merci. Ok. On retourne ça pour ce dessin. Donc, j'ai commencé mon parcours scout en 96. Ah, juste un Et tout petit peu sur le puis, j'étais côté. loup. Peut-être ton image. Ouais, là, c'est bon. Oui, C'est bon. parfait. Un peu à droite. Non, par là. Oui. Là, c'est bon. Parfait. Ok, donc j'ai commencé mon parcours en 96 comme louveteau dans le groupe du groupe Valperjac dans les Scouts du Liban. J'étais louveteau, puis j'ai passé en troupe, et puis dans les routiers. Et puis j'ai fait mon service comme chef de troupe pour 3 ans, et puis mon autre service comme chef de groupe du groupe Valperjac aussi pour 2 ans. Et puis j'ai rejoint l'équipe nationale ici comme équipier dans l'équipe du média, et puis comme responsable de l'équipe de la coop scout. Et puis en 2018, j'étais en ping à Kandersteg comme guide d'escalade. Donc c'est en super résumé mes 24 ans de scoutisme ici au Liban, au sein des scouts du Liban. Et puis on peut voir sur tes écussons que t'as fait pas mal de rassemblements. Ouais. Jambo au Japon, ça ouais. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte Joli, juste oui. avant le live, en petite discussion avec Thibaut et Étienne, que tu as plus d'années de scoutisme qu'on a d'années de vie, Thibaut et moi. Voilà. Réuni. Ouais. Peut-être pas, mais. Du haut de mes Mais ça 20 ans. va, ça va, ça va. Donc, ne t'en fais pas. Donc, ça va. Je suis. Ok, Et bah surtout merci pour que ces beaux dessins. Alors, on avait quelques questions prévues de côté.
N'hésitez pas, vous, dans le chat, vous, personnes qui nous suivez sur YouTube, à poser des questions en fait, autour du sujet de la nature dans les activités. Si vous voulez poser des questions à Thibaut et Étienne, c'est l'occasion. Donc n'hésitez pas, on va faire remonter les questions qui arrivent. De notre côté, je crois qu'Étienne et Thibaut, vous avez pu réfléchir un peu à ça. Moi, j'ai quelques questions. On peut commencer par exemple par quelle activité en lien avec la nature que vous avez pu vivre dans votre association vous a le plus marqué? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vient comme ça en tête quand je vous parle de ça. Moi, c'est vraiment, c'était à ma dernière année jeune, donc dernière année pionnier, j'avais 17 ans. Et on a commencé par faire un service à Lourdes, qui est très connu pour faire des services avec les scouts. Et après, on s'est échappé de la civilisation pour aller faire de la randonnée pendant une semaine dans les Pyrénées, pour après avoir un camp fixe tout au long des Pyrénées. Donc vraiment, notre objectif, c'était de monter le plus haut possible et d'arriver à notre destination finale et de s'y poser pendant une petite dizaine de jours. Et la randonnée ou la vie justement dans les Pyrénées, je crois à tout casser, on a dû croiser 10 personnes en 2 semaines. Donc on était vraiment coupé du monde. En plus, nous, on n'a pas de téléphone, rien. Et donc du coup, pendant 6 jours, on a juste marché. Vraiment, on arrivait en haut d'une montagne. On avait une vue sur tout ce qui était là à côté. Et on voyait surtout la montagne d'après à monter. Donc ça, c'était un peu plus déprimant, mais voilà. Et vraiment, c'était, on s'en prenait plein le visage. J'avais jamais vu des paysages aussi naturels et vraiment de manière aussi naturelle. C'est-à-dire que vraiment, on montait une montagne pour voir ce paysage. C'était pas, on allait en voiture vers le spot touristique et après on descendait, quoi. Donc là, on était vraiment fiers de voir ça. Et donc, à un moment, on s'est posé à, je crois, à 2000 mètres à Gavarnie, une petite station dans les Pyrénées. Et on n'était même pas dans un camping ou rien, on était vraiment à côté d'un ruisseau, à côté d'une forêt, en bas de montagne. Et il y avait un petit bout de terre, et donc du coup, on s'est mis là pour 10 jours. Et c'était vraiment la vie naturelle, quoi. On se baignait dans un ruisseau à 10 degrés qui sortait directement des glaciers. Quand on allait chercher bois dans la forêt, on allait faire la messe tout en haut parce qu'il y avait une petite statue de Notre-Dame-des-Neiges qui bénit les pèlerins, les randonneurs, donc on allait faire nos messes ici. Et donc vraiment, c'était tout était centré autour de la nature. On se faisait réveiller par le cri des marmottes, et c'était une expérience unique. Et j'ai même dans tous mes camps, j'ai jamais revu ça parce que à chaque fois, le fait est que je me suis retrouvé chez des particuliers ou chez des choses comme ça, et c'est vachement différent et c'est incomparable. Moi, je te rejoins là-dessus. Je pense que mes meilleurs souvenirs en lien avec la nature dans les activités, c'était aussi les randonnées. Et je pense aussi à Kandersteg. Du coup, tu as évoqué Étienne Kandersteg qui est en Suisse, un jamboree permanent international en Suisse. J'ai pu me balader dans le Pays Basque aussi. Pareil, c'est dès que tu prends de la hauteur, que tu vois des paysages, tout de suite, c'est... mais moi, j'ai une question. Ça fait quoi une marmotte, le cri d'une marmotte? Parce que du coup, C'est atroce. On a l'impression d'avoir... Oui, je sais. d'avoir un égorgement de chèvre ou de je ne sais pas quoi en bas de nos oreilles. Et vraiment, ça te crie dessus. Et puis, ce n'est pas sympa. Hein. Vraiment, les marmottes... C'est très assourdissant. Et en plus, les marmottes sauvages, ce n'est pas comme aux zoos où ça a l'air trop choupi. Non, c'est vraiment quand elles sont en sauvage, en bande comme ça, tu les approches à 20 mètres, elles commencent à te chercher, etc. Ah bah c'est pas un ours, mais t'es pas contente de les voir quand même. Quoi. Okay. Oui, exact. C'est aussi agréable que le bruit de la craie sur le tableau, là. Ok, je vois. Ok, très bien, j'ai un comparatif. Et de ton côté, ouais. Étienne, si t'as une idée comme ça qui t'est venue en tête d'activité? Oui, donc à part des démarches et des randonnées et des raids qu'on fait dans les camps et tout ça, et les camps en tel, donc, en 2009, il y avait un grand feu de forêt ici au Liban, dans le nord du Liban. Donc, il y avait des grandes étendues de pins et des arbres sauvages qui ont été ravagés par les feux. Donc, les scouts du Liban étaient mobilisés
dans la tranche des routiers et des pionnières en 2009. Et tous les groupes du Liban se sont regroupés dans un village au nord du Liban pour reboiser des étendues énormes de montagnes et des étendues qui ont été brûlées par le feu. La chose la plus remarquable, je veux dire, dans cette activité était d'abord qu'on faisait quelque chose pour notre pays qui, pour maintenant, jusqu'à maintenant, les arbres, quand on va là-bas, on peut voir les arbres que les scouts ont reboisés depuis 2009. C'est un. La deuxième chose, c'était de voir des scouts de tout le Liban. Donc, à mon âge, en 2009, je ne connaissais pas d'autres scouts dans d'autres groupes au sud, au Beka et tout ça au Liban. Mais comme dans cette activité, tous les scouts se sont regroupés, on a pu échanger avec beaucoup de scouts, beaucoup d'avis, beaucoup de groupes, beaucoup d'autres groupes dans notre même association. Donc, c'est une des activités en relation avec la nature qui m'a très marqué dans mon parcours scout. Donc, oui. Et puis grande activité quoi, c'est pas tous les jours Oui, mais c'est là. c'était super grand. Mais ça me fait penser, je sais pas si tu vois Thibaut, si tu as eu l'occasion de vivre un camp comme ça. Personnellement, j'ai pas vécu ça, mais je connais. Au sein des Scouts et Guides de France, on a ce qu'on appelle des camps nature-environnement. Et là, en tête, j'ai celui qui se situe à Lumini, qui est en fait dans les Calanques de Marseille, dans le sud-est de la France. Oui. Et en fait, c'est de la surveillance de feux de forêt. Et tous les ans, il y a des pionniers caravelles, donc les 14-17, et des compagnons aussi, il me semble, Oui. qui viennent justement. Donc je ne sais pas si dans ton association, Étienne, il y a ce genre de camp, ou basé vraiment sur protection de la nature, l'environnement, tout ça. Je connais ce type de camp que tu parles, mais ici au Liban, on n'a pas ce système encore de, comme on dit, comme être vigilant, des groupes qui vont aider les pompiers et tout ça dans ces missions, mais non, on n'a pas ça au Liban, jusqu'à maintenant. Ok, ça marche. Est-ce que par hasard vous auriez une question qui viendrait de l'un de vous deux et que vous avez envie de poser à l'autre? Ou sinon j'en ai d'autres, ouais, pas de soucis. Moi, ça m'intrigue vachement cette histoire de feux de forêt. Est-ce que ça a été une volonté des routiers et pionnières de s'engager là-dedans, ou ça a été vraiment réquisitionné par l'État ou je ne sais quelle institution qui ont fait une appel d'aide? Et dans ce cas-là, est-ce que ça a peut-être créé des liens avec des administrations plus haut placées, on va dire Donc, ce que je, comment dire, what I remember, comment on dit ça? Ouais, Comme si tu je me souviens. souviens depuis. Oui. Comme je me souviens en 2009, c'était une initiative des Scouts du Liban. Donc, le feu a été très ravageant. Et puis, les Scouts du Liban, avec les instances locales, comme les municipalités et les groupes scouts dans ces villages là-bas, ont coordonné tout ce mouvement pour faire le reboisement. Mais je pense qu'il y avait des instances gouvernementales pour donner toutes les plantes et tout ça pour aider dans ce reboisement. Donc, c'était une mobilisation au niveau des scouts, mais je pense aussi au niveau municipal et D'accord. un peu gouvernemental. D'accord, ok. Et du coup, si vous avez d'autres questions, sinon j'en ai. Moi, j'en avais une. Donc, j'ai une petite question. Ah bah vas-y, Étienne, après toi. Oui, donc, comme je connais, c'est juste, mais ça peut être juste, mais c'est peut-être aussi faux. Il y a beaucoup de groupes en France qui sont urbains, des groupes urbains. C'est ça? C'est vrai ou pas? Ouais, il y a une majorité Qui de sont dans groupes. des grandes villes et tout ça. Donc, on n'a pas des groupes aussi urbains ici au Liban comme en France. Vous avez une idée quel a été l'impact du Covid sur ces groupes urbains qui n'ont pas l'accès très proche aux forêts, aux montagnes et tout ça. Donc, mais pour les groupes ici au Liban, la forêt n'est pas très loin, la montagne n'est pas très loin. Donc, juste après le Covid, quelques groupes ont pu s'échapper, faire des activités en nature et tout ça. Mais pour les groupes urbains, comment on fait dans ces temps-là?
Bah, moi, je peux te répondre directement avec mon expérience parce que j'étais chef de scout et guide donc de 11-14 ans pendant le Covid, pendant la première vague mondiale et après, après j'ai changé de tranche d'âge pour venir au 15-17. Mais c'est vrai que pendant la première vague, ça a été très, très dur à gérer parce que même, enfin, outre les jeunes, il fallait que nous, on arrive à se gérer entre les cours, les stages, les machins, c'était très compliqué pour les chefs. Et puis même, c'était pas dur mentalement. On était seul. J'ai eu des chefs qui étaient seuls et tout, ou alors bloqués dans des familles où ça se passait pas forcément bien. Et après, les jeunes, on a eu des vrais retours et il y a eu, enfin, ça a été vraiment dur pour certaines aussi. Heureusement, les restrictions se sont levées en début juillet, donc ça veut dire qu'on a pu filer, faire des camps. Tant que c'était en France, mais c'est vrai que ça, bah. Pour les camps Louveteaux Jeannette et Scout Guide donc de 11 à 14 ans, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est vrai que pour les projets des pionniers des Caravelles, donc les 15-17 ans, ça a réduit quand même les attentes parce que bah, on devait rester obligatoirement en France. Donc parfois, ça a annulé entièrement des projets. Il y avait le Jamboree Pologne aussi qui a dû être annulé à cause de ça. Exact. Et donc, du coup, ça a dû refaire des plans. J'ai bah, les pionniers Caravelles de ma troupe, enfin de mon groupe, ils ont dû partir à 1 heure d'ici, donc du coup c'était pas très délocalisant et elles étaient un peu dégoûtées, mais même si elles ont passé un bon camp, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup de plans de dernière minute. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est le camp dernier en 2021, où là on s'est repris encore deux vagues de Covid dans la figure, avec tantôt ça ferme, tantôt les écoles réouvrent. Nous, on s'est pas vu de l'année quasiment, on a dû faire deux réunions ensemble. Sinon, c'était que du distance. Nous, en tout cas, il y a eu une vraie perte de contact par rapport à la nature. C'est vrai que quand elles sont arrivées, elles étaient plus habituées. Donc, du coup, elles se comportaient comme en ville, ce qui n'est pas du tout un caractère cohérent avec l'environnement. Mais en fait, elles avaient oublié. Et puis même, en allant un peu plus loin, bon, on s'éloigne un peu du côté nature, mais c'est vrai qu'il y avait aussi quelques valeurs qui...